Christophe Darbelay et Yannick Huttet pour le PDC, Stéphane Rossini pour le PS, Jean-René Germanier pour le PLR. La fourchette politique est large pour défendre la nouvelle loi sur la radio et la télévision, avec, selon eux, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. D'abord pour le citoyen lambda, qui paye déjà sa redevance. Au lieu de payer 462 francs, vous allez payer que 400 francs, donc c'est une diminution, et c'est la première fois, c'est pour ça qu'il faut voter oui. Et puis monsieur, madame, tout le monde, s'il aime regarder le foot à la télévision, ou bien les grands prix de Formule 1 ou de moto, il faut simplement savoir que si on n'a plus de service public, si c'était non, à un moment donné, ben, il n'y a plus non plus le grand prix moto, il n'y a plus la Formule 1, puis il n'y a plus le foot. Pour les entreprises ensuite, même si les patrons de l'USAM font partie des principaux opposants, car leur collègue Jean-René Germanier ne partage pas leurs soucis, même si son entreprise devra payer davantage avec la nouvelle loi. Pour le 84% des entreprises en dessous d'un million de francs, ça sera moins de redevances, voire plus du tout. Donc de ce côté-là, pour les petites entreprises, c'est positif. Et pour les grandes entreprises, c'est surtout le combat pour des baisses d'impôts générales que l'on veut faire. Autre argument avancé, le mode de perception. Actuellement, 20% des ménages y échappent, même s'ils consomment radio et TV sur d'autres supports. On le consomme plus seulement à la radio ou à la télévision, mais souvent sur des ordinateurs et principalement aussi sur nos smartphones qui sont devenus un moyen courant de consommation des médias. En parallèle, ce nouveau mode de perception permettra d'éviter l'inquisition de Bilag qui vient sonner à la maison, qui vient contrôler si vous avez des radios, des télévisions. Franchement, ça s'est complètement dépassé. Certains, en Suisse alémanique surtout, profitent de cette votation pour régler leurs comptes avec le service public. La nouvelle loi prévoyant une répartition plus favorable aux médias électroniques locaux, c'est même toute la diversité de l'information qui est en cause. Il faut aussi contribuer au financement de la pluralité des médias. Et puis surtout, l'élément central, c'est véritablement l'accès de toute la population et un accès ouvert, général, sur toutes les problématiques. Un accès qui ne soit pas pollué par les publicités, un accès qui ne soit pas réservé aux grandes chaînes de médias étrangers qui viendraient finalement servir l'information en Suisse au détriment de l'information notamment nationale et locale. C'est dire l'importance du geste des citoyens suisses le 14 juin prochain, au moment de glisser leur bulletin dans l'urne. À voter, merci.